Людей нема, людей повиганяли, люди повиїжджали. Нас мало таких було, що ми не виїхали. Ми не виїхали, ми чоловік інвалід. Куди виїдеш? Ну так і вони все время ходили за нами, весь час. Нікуди піти, нікуди не вийти, нікуди нічого пройшов. On traverse des villages qui ont été particulièrement touchés par les bombardements et on voit qu'il y a une occupation importante et prolongée par les Russes. On voit des patients âgés qui sont restés dans le village ou qui ont commencé à revenir. Donc là, en fait, c'est des gens qui n'ont plus de traitement de maladies chroniques depuis déjà un ou deux mois. Il y a aussi une grande partie qui décrivent de l'anxiété, de l'angoisse, et là pour le coup en lien direct avec ce qui s'est passé, l'occupation, les bombardements, qui décrivent des troubles du sommeil, des crises d'angoisse. Au fur et à mesure des semaines, on voit quand même la population qui recommence à revenir progressivement, donc on sent que la vie commence à reprendre.